À découvrir en ce moment, à la Maison de l'architecture des territoires et du paysage, l'exposition de photos de Bogdan Konopka, Chine, l'empire du gris. Le photographe polonais est tombé amoureux de la Chine dès sa première visite dans ce pays. C'était en 2003. Depuis, il y a enchaîné les séjours et son exposition regroupe les meilleurs de ses clichés. La particularité de cet artiste est qu'il travaille avec un appareil sur pied et un drap sur la tête, comme pour recréer une chambre noire. Ça donne quand même la possibilité à attraper la qualité exceptionnelle de la photographie, surtout en noir et blanc. Les plus grands photographes au monde, ils travaillent en général en chambre, sauf qu'ils fabriquent les images de taille de 1 m/3 m. Et moi, je reste en miniature. Bogdan Konopka consacre une grande partie de sa production artistique à la ville et ses paysages. Il photographie plus particulièrement les endroits destinés à disparaître. Cette exposition est à découvrir à la Maison de l'architecture des territoires et du paysage jusqu'au 10 mai.